m'appelle Émilie Luillier, je suis professeure de lettres, histoire, géographie au lycée Jean Moulin, ici à Béziers. Au départ, en fait, voilà, je suis allée voir mes collègues professeurs et je leur ai proposé ce projet avec dans l'idée de faire quelque chose ensemble autour de la littérature. Ce concours, c'est une histoire d'amitié, en fait. Donc, c'est vrai que y a eu un petit mail un jour, vous voulez pas venir à un apéro dans mon jardin pour parler un apéro, voilà, boulot. Le premier concours était sur les 50 ans de Jean Moulin et j'avais été intéressé par l'idée d'imaginer qu'une chose resterait identique dans 50 ans, c'était qu'il y avait des jeunes et qu'ils s'aimeraient. Le texte que j'ai écrit l'année dernière s'appelait Retour. Et c'était un journal intime qui était inspiré de l'histoire de ma mère. Parce que j'ai raconté l'histoire de mon grand-père, enfin de mon arrière-grand-père. Et vu que je la connaissais pas trop, du coup c'est mon père qui me l'a raconté. Comme ça, j'ai pu partager un moment avec lui. Je pense que c'était plus plaisant de savoir que le texte que j'avais écrit, il avait plu à beaucoup de personnes. Et que... D'avoir écrit, c'est une façon de sortir un peu de soi et donc et c'est important de sortir un petit peu de ses émotions, de sortir de ses relations habituelles. Convivencia est un concours d'écriture gratuit organisé par les élèves et adultes des établissements d'enseignement secondaire de Béziers et des alentours. Vous pouvez participer à ce concours en tant qu'auteur si vous êtes élève ou personnel des établissements d'enseignement secondaire du Biterrois, parent d'élèves de ces établissements, stagiaire du Greta, étudiant de l'IUT ou ancien élève ayant déjà participé. Pour commencer, assurez-vous d'avoir bien pris connaissance du règlement du concours. Ensuite, il vous suffit de trouver votre idée à partir du thème imposé et d'écrire votre texte. Une fois la phase d'écriture terminée, vous devez rendre votre texte sous format Word accompagné de la fiche d'inscription soigneusement remplie au préalable au professeur documentaliste de votre établissement. Mais vous devez aussi envoyer votre texte à l'adresse mail convivencia@laposte.net à la date indiquée. Dans ce concours, trois catégories sont ouvertes: collégiens, lycéens et adultes. Vous pouvez aussi participer en tant que juré. Pour cela, rien de plus simple. Il vous suffit de télécharger le formulaire de candidature via notre site internet et de l'envoyer par mail à convivencia@laposte.net ou de le donner au professeur documentaliste de votre établissement. Le jury est constitué d'adultes et d'élèves volontaires, ainsi que d'un parrain artiste ou écrivain, différent chaque année. On attend avec impatience vos participations. À très vite! Le projet e-confiance est constitué de plusieurs volets. Le premier consiste à s'intéresser au phénomène d'e-confiance, qui est en fait la confiance que nous pouvons ressentir à travers les interfaces homme-machine, en particulier dans les réseaux sociaux. Des éléments tels que l'organisation de l'interface, l'utilité et l'utilisabilité, donc la prise en main, vont pouvoir influer sur ce type de confiance. Alors, il faut savoir qu'il existe plusieurs niveaux de confiance. Donc nous pouvons distinguer la confiance envers l'interface, la confiance institutionnelle qui correspond à la confiance attribuée à une marque ou à une organisation, la confiance entre les pairs qui est donc la confiance attribuée aux différentes personnes présentes au sein d'une même organisation,
Et donc, à ces strates de la confiance, il faut ajouter la confiance en soi qui est donc modulée par la personnalité et la confiance généralisée qui correspond donc à un niveau basal de confiance à intenter. Le deuxième volet du projet e-confiance consiste à effectuer des expérimentations scientifiques innovantes où l'on cherche à synchroniser des données verbales, donc de type qualitatif, à des données physiologiques grâce à des appareils de mesure comportementale. Et nous avons donc prévu de commencer ces expérimentations courant le mois de mars. Le troisième volet de ce projet consiste à développer des préconisations en termes d'interface pour la société Pixio, mais également de manière générale pour développer des interfaces qui génèrent de la confiance. Et enfin, le quatrième volet consiste à créer des supports pédagogiques pour des publics variés dans un objectif de prévention sur les risques liés aux pratiques dans les réseaux sociaux. Souhaitez la bienvenue au Jasmin, restaurant oriental sur Béziers, qui est ouvert du lundi au samedi midi et soir, et le dimanche uniquement le midi. Et je l'ai créé parce que c'est un projet de longue date, depuis tout jeune que je voulais un restaurant. Et après le jasmin, c'est une fleur qui me plaît, c'est une fleur du Maghreb si vous voulez. Mais il y a 36 couverts intérieurs et 20 en terrasse. Mais bon, la terrasse c'est plus l'été que l'hiver. Les spécialités c'est Maroc, si vous voulez. Après bon, il y a les couscous, il y a les tagines. Il y a une variété de tagine, les couscous pareil, ça peut être du simple couscous végétarien jusqu'au royal, qui compose cuisses de poulet, merguez, agneau. Après les tagines, il y a tagine boulette, tagine agneau, tagine poulet. Et c'est tout fait maison. Et il n'y a pas de légumes congelés ou d'acheter un sac, c'est des légumes frais qu'on prépare nous-mêmes. C'est pas acheter pour revendre, c'est créer nos produits pour les revendre. Moi, je gère la salle, tout ce qui est relation clientèle, tout ça là. Et ma femme, elle gère la cuisine de son côté. Les jeunes, ici, quand ils viennent ici, c'est que soit les parents sont venus, ou soit ils sont venus avec les parents ou avec les grands-parents. Mais après, c'est plus au-delà de partir de 25 ans, 30 ans jusqu'à 70, 90 ans. C'est eux qui me font les satisfactions viennent de leur part, quoi, disons. Voilà, c'est pour ça d'ailleurs qu'ils reviennent à chaque fois. Et après, bon, sur certains sites, quand même, on les recommandait à 80%, quoi, disons, de recommandations aussi. Et, ben, Midi Libre, chaque mois, prenait un restaurant sur la ville ou sur les environs. Et on a été sélectionné pour avoir un petit reportage sur le Midi Libre de notre restaurant.
quartier Champ de Mars, Elisabeth Granovitz. J'ai été élue il y a un an. Je suis bitéroise, j'ai vécu ailleurs et quand je suis revenue à Béziers, j'ai voulu m'investir dans mon quartier pour essayer d'améliorer les choses. Donc, je travaille avec mes collègues du conseil d'administration à améliorer l'environnement en liaison avec les services de la mairie, les services de l'agglo. Et nous faisons en sorte non seulement que notre quartier soit plus propre, plus sûr, plus beau, mais également à organiser des animations culturelles et des rencontres avec tous les adhérents. Nous allons en 2020 organiser à la médiathèque une grande exposition historique sur notre quartier avec des cartes postales, des photos et avec les historiens locaux et en liaison donc avec la MJC, l'IUT, l'université, tous nos partenaires du quartier. Association donc indépendante, apolitique. On travaille avec tous les bords et on est constitué en association en 1901 et on fait un 35 heures bénévole. Beaucoup d'interventions pour des problèmes de voirie, de sécurité, de stationnement, de dépôts sauvages. Donc j'interviens beaucoup auprès des administrations diverses. Et puis donc on organise des visites de quartier, des visites culturelles. On essaye de faire vivre le quartier, parce qu'on a un grand et beau quartier, mais grand, très grand.
it's all out of reach. Soldier on. When it's harder to learn than to teach. Soldier on. I do believe that if someone is willing to their choose, there's almost no end to what can be won one day. You got to choose. We'll be right back.
c'est un projet qui vise à faire venir des étudiants, des lycéens, des collégiens à l'IUT pour faire des parties de jeux en réseau. Et il n'y a pas que les gens à l'IUT de Béziers, on interconnecte notre IUT avec d'autres départements réseau télécom un peu partout en France. Et ça permet de faire voilà, des grosses parties de jeux en réseau avec beaucoup de monde. La One Party, l'objectif, c'est tout d'abord faire connaître au maximum aux lycéens le département réseau et télécom qui manque beaucoup de visibilité dans les lycées lors de leur orientation. C'est vraiment quelque chose qui est fait pour qu'on se fasse connaître, pour faire connaître le département, l'IUT de Béziers. Et c'est aussi pour passer un bon moment ensemble autour d'une partie d'un jeu vidéo. Les jeux cette année, il y aura League of Legends, le jeu qui attire le plus de monde, Counter-Strike qui est le grand classique qui revient quasiment tous les ans. Overwatch aussi, qui depuis quelques années est un gros jeu vidéo. Et il y aura aussi Hearthstone pour les joueurs qui sont seuls. C'est gratuit, il suffit de s'inscrire, il y aura un site web sur lequel on va pouvoir s'inscrire qui va permettre de donner des identifiants et mots de passe et ces identifiants-là seront indispensables le jour J pour arriver et se connecter et avoir un accès au réseau. Alors il y a la radio de l'IUT Synchronix qui va diffuser les parties en ligne et en plus des parties, faire des interviews des joueurs et ça va commencer dès le matin, donc de la préparation de la One Party jusqu'au soir, minuit, 1h. Voilà, l'an dernier ça s'est fini vraiment tard. Bah, plutôt bon enfant, enfin, genre... Personne n'était venu pour gagner, on va dire. Genre, c'est juste pour passer un moment, une journée ensemble, quoi. Je m'appelle Anaïs, j'ai 25 ans. Donc, je m'appelle Sylvain. Bonjour, je m'appelle Timothée Tran. Salut, moi c'est Karl, j'ai 33 ans. Bonjour, Nancy Aguilon, 29 ans. La Jeune Chambre économique, c'est une association internationale reconnue d'utilité publique qui regroupe des jeunes de 18 à 40 ans et qui a pour mission de leur offrir l'opportunité de créer des changements positifs sur leur territoire. Ça se traduit sur le terrain par des actions, des projets qui entrent dans quatre axes de travail qui sont agir pour l'emploi, développer l'économie, aménager le territoire ou encore préserver la planète. J'ai rencontré cette association-là parce que j'avais vraiment envie de changer le monde et que tout seul, c'est très compliqué. Je pense à la dernière action que nous avons faite, c'est le CV citoyen, qui est une action orientée pour la jeunesse afin de favoriser tout simplement leur insertion à l'emploi en favorisant en tout cas l'accès et la dimension de l'engagement citoyen. J'ai pu tout au long de mon parcours à la Jeune Chambre économique découvrir ma ville, découvrir ma région, mais aussi découvrir mon pays. Je suis allé même au-delà de ça puisque j'ai pu découvrir des villes du monde entier, j'ai pu découvrir des cultures, j'ai pu découvrir des membres de Jeune Chambre au travers de notre planète. Et il y a beaucoup d'axes qui me plaisent, mais celui que je trouve qui est quand même très intéressant, c'est le principe de formation, puisqu'en fait, on nous donne accès à des formations de qualité,
que ce soit des formations de méthodologie ou des formations de développement personnel, pour apprendre, pour pouvoir prendre des responsabilités au sein de l'association, que ce soit des responsabilités au niveau local, international ou au niveau national. Et du coup, ces formations nous permettent tout simplement de grandir. Donc voilà, c'est la partie de la jeune chambre économique qui me plaît. C'est la partie école de la vie où on apprend. On peut se tromper parce que c'est pas grave, c'est une association. C'est l'opportunité pour nous, les jeunes, de nous investir dans la vie citoyenne et active, de façon totalement désintéressée de tout ce qui peut être politique ou religieux, et en fait de vraiment se former et agir sur des actions pour notre territoire et pour impacter positivement. Pourquoi je suis à la Jeune Chambre? Parce que ça me donne l'opportunité de rencontrer des gens, de me former, de voir plus large à l'international et de travailler sur des sujets qui impactent en local mais qui sont aussi des sujets primordiaux pour l'avenir de notre monde et au niveau global. Notamment, nous travaillons sur les Global Goals, qui sont les objectifs de développement économique en lien avec l'ONU. Sachez aussi qu'il y a un siège de la Jeune Chambre à l'ONU. Voilà, un mouvement qui considère en fait la jeunesse et qui nous permet de nous exprimer dans un environnement totalement libre et dans lequel on gravite tous dans de la bienveillance pour pouvoir au mieux progresser. Alors, je m'appelle Franck Bocognano, je suis le directeur des jardins de flore à Bougeant-sur-Libron. Et aujourd'hui, nous avons le projet d'aller un peu plus loin que ce que nous avons fait déjà depuis 30 ans. Silverland, c'est avant tout un lieu de rencontre. C'est un lieu où on va pouvoir partager des choses, apprendre des choses, apprendre les uns des autres. Donc l'idée, c'est de créer un espace ouvert pour toutes les personnes qui le désirent et qui viennent de l'extérieur, en ajoutant des espaces supplémentaires tels que de l'hôtellerie, de la restauration, du bien-être, mais aussi de permettre à des jeunes entreprises d'être directement sur le site de Silverland, et de préparer les services de l'avenir concernant la Silver Economy. Tout ce petit monde va se mélanger et partager des expériences. Silverland, c'est de la pédagogie, c'est du partage d'expériences, et on va créer un endroit comme ça pour favoriser ces rencontres. Les personnes que nous accueillions il y a 30 ans n'avaient pas l'habitude de ce que le monde nous offre aujourd'hui. Les clients de demain seront des personnes comme vous et moi qui ont l'habitude de voyager, qui ont l'habitude d'avoir des services. Donc il faut que Silverland permette de développer ces différents services de l'avenir, en fait. Ces entreprises qui vont se mélanger à nos clients et vont créer des produits pour les gens de demain. En 2040, la France comptera plus de 10 millions de personnes âgées de plus de 75 ans. La personne âgée d'aujourd'hui ne sera pas celle de demain. Bâti sur 3 hectares, Silverland sera composé de plusieurs bâtiments interconnectés. Le principe est de permettre à toute personne de se déplacer sans contrainte. Un grand nombre d'activités seront mises à disposition, comme des jeux de société, activités artistiques et musicales. Des ateliers physiques de bricolage, jardinage et informatique seront également proposés. Des restaurants adaptés au régime des résidents et salons de thé seront présents pour favoriser la bonne alimentation, ainsi que le partage entre les différentes personnes présentes. Silverland sera une véritable expérience de bien-être à faire vivre à ses visiteurs et résidents, qui en concluront que la maison de retraite, finalement, c'est cool. Thank you.
Imaginez que vous ayez besoin de partager des données au sein de votre entreprise. Problème, le réseau est surchargé et donc trop lent. Vous décidez donc d'utiliser une clé USB, vous la branchez, et là, la clé est infectée par un fichier qui possède un virus. Styx aurait pu vous éviter ceci. Styx est un système de vérification de données afin de prémunir des attaques informatiques par clé USB. C'est un boîtier équipé de son propre système d'exploitation qui permet de filtrer les entrées et sorties de données par USB sur votre machine afin d'assurer une sécurité maximale. Il propose une solution proactive et préventive en cas de possible virus présent sur la clé et qui protégera votre réseau. Aujourd'hui, de nombreuses solutions existent afin de protéger ces données et le port USB reste l'une des seules failles. Cet outil est destiné aux entreprises possédant des données à protéger au sein de leur réseau. Prenons par exemple un fichier Word, un DocX. On va brancher le boîtier sur votre machine et la clé sur le boîtier. Le fichier sera désassemblé, analysé et réassemblé afin qu'il ne présente plus aucun risque pour votre ordinateur. Nous allons vous présenter les différents aspects du Styx. Vous allez comprendre le boîtier de façon plus spécifique, son utilisation et sa capacité à repousser les attaques. La taille du Styx est un véritable avantage. Facilement transportable, il vous accompagnera partout, que ce soit au bureau ou en voyage d'affaires. Parfois, une clé qui vous est étrangère peut contenir des virus. Le Styx vous aidera à conserver l'intégrité de votre ordinateur. Tout ce qui se passe à travers le Styx est inscrit dans un historique et peut être consulté facilement, ce qui permet de savoir très rapidement les fichiers infectés et à éviter. Un filtrage des fichiers est possible via une whitelist, qui permet de laisser passer seulement certains types de fichiers. Le produit aura des mises à jour constantes afin d'être au plus proche des nouvelles menaces. Pour cela, des clés seront envoyées aux détenteurs des boîtiers afin d'effectuer des mises à jour sécurisées par signature. Les fichiers signés sont des fichiers étant déjà passés à travers le filtre et donc approuvés par le système. L'idée d'écrire cette histoire m'est venue au début des années 2000. Je suis féru de jeux de mots et j'ai une tendance à détourner leur sens premier ou à jouer sur les homophonies. Pour vous donner un exemple, quand un de mes amis fait tomber un objet, je peux lui dire « tu sèmes » et « quand on sème, la vie est belle ». Où est-ce qu'on a bien pu atterrir ? Chut, moins fort. Nous sommes au pays du I. Nous sommes au beau milieu d'une interview. Une interview ? Mais qu'est-ce que c'est ? C'est une entrevue qui permet d'interroger une personne sur ses projets, ses idées, ses hobbies, etc. C'est pour ça qu'il faut être silencieux et ne pas faire de bruit pour ne pas les déranger. Ah d'accord, je pense avoir compris. Mais il faut quand même trouver un moyen de sortir d'ici. Attends ! J'ai trouvé un itinéraire parfait pour partir. Je me sers souvent de dictionnaire pour mon travail, je suis enseignant d'anglais, et je trouve ces outils fabuleux. Je me suis mis à la place d'un enfant qui découvrirait un tel livre, qui dit tout sur les mots que l'on utilise pour raconter des histoires. Ça, c'est le papa de Zoé, mon héroïne, qui le lui dit dès les premières lignes. Et mon imagination a fait le reste. Cela a donné Aaron au royaume des mots.
Les personnages ainsi que les lieux ou les péripéties, bien que fictifs, sont parfois inspirés de faits réels, notamment dans le deuxième tome, Zoé et le secret de la licorne, dans lequel toute l'histoire démarre par une visite de la grotte de Lascaux 2, que ma compagne et moi avons réellement faite en 2007 ou 2008, avec l'anecdote de l'étrange monsieur asiatique qui est véridique. Ici, on utilise la technique de la taille douce type eau-forte.
Tout d'abord, la taille douce, c'est quoi? C'est l'ensemble des procédés de gravure en creux sur une plaque de métal. C'est le contraire de la taille d'épargne. Dans la première, l'encre se dépose dans les creux, tandis que dans la seconde, l'encre est appliquée en surface. L'impression de la plaque de métal se fait sur une presse taille douce. Et l'eau forte dans tout ça? L'eau forte est un procédé de gravure en taille douce sur une plaque métallique à l'aide d'un acide. À l'origine, l'eau forte était le nom donné à l'acide nitrique. Aujourd'hui, cet acide est remplacé par des mordants moins toxiques. C'est un procédé de taille indirecte par opposition à la taille directe. Parmi les différents procédés d'eau forte, on trouve l'aquatinte, la gravure au lavis ou la manière noire. Toutes désignent une technique de gravure où l'image est creusée sur une plaque de métal à l'aide d'un acide. Elles diffèrent en revanche par les outils ou vernis à graver utilisés. Le principe est simple. Sur une plaque de métal préalablement recouverte d'un vernis à graver, l'artiste dessine son motif à la pointe métallique. La plaque est ensuite placée dans un bain d'acide qui mord les zones à découvert et laisse intactes les zones protégées. Après nettoyage du vernis, la plaque est ancrée et mise sous presse. Alors, on teste ? Donc pour la gestion de tous les produits qui étaient pesés et puis derrière de faire une facturation. On a voulu faire une application beaucoup plus globale, donc réécrire nos produits sous un même ensemble. Oui, on est sur un marché de niche et on a saturé le marché en France, donc on a souhaité voir les possibilités qu'il y avait à l'export. Il y avait des besoins, donc on a monté une filiale en Espagne pour s'occuper du marché espagnol, mais aussi du marché en Amérique du Sud, donc en fait tout ce qui est en langue espagnole. Et puis on a créé aussi une filiale au Canada, parce que là aussi il y avait un marché qui était important, qui était assez éloigné là de la France, donc il était préférable qu'on ait une filiale sur place pour là donc le marché canadien, mais également le marché d'Amérique du Nord. Cette application de mobilité, l'objectif c'est de simplifier les saisies. C'est de permettre à nos clients de ne plus travailler directement sur l'ordinateur, mais lorsqu'ils sont dans le laboratoire ou qu'ils sont à l'extérieur pour faire des essais chantiers, eh bien de pouvoir saisir sur leur smartphone l'ensemble de leurs résultats. Ce
souvent les sites sont perdus dans la nature et il n'y a pas de réseau. Donc ils peuvent travailler à moins de connecter et synchroniser lorsque la connexion est revenue. Cette application-là, nous en tant qu'éditeurs, on s'est spécialisé sur les entreprises qui sont en relation avec la production et la mise en œuvre des matériaux de construction. L'exploitation de carrières, les centrales béton, les centrales enrobées, les entreprises de type. Thank you.
feriez-vous pour acheter un bien immobilier qui corresponde en tout point à vos critères? Vous pourriez vous rendre dans une agence immobilière classique qui propose un catalogue immobilier réduit qui ne correspondra pas forcément à vos besoins et à vos attentes. En effet, le fonctionnement des entreprises immobilières suit un schéma classique. Le client rentre, établit ses besoins et l'agence lui propose son propre catalogue de biens limités qui ne correspondent pas forcément aux attentes précises du client. Vous pourriez également rechercher vous-même sur Internet ou éplucher les petites annonces à la recherche de la perle rare. N'avez-vous pas peur de perdre votre temps dans quelque chose qui ne correspondra pas forcément à vos envies, avec des photos prometteuses mais loin de la réalité? Vous pourriez faire appel à RIS, qui vous propose ses services de chercheur immobilier grâce à une connaissance du terrain, des biens vendus, ce qui vous permet un gain de temps. Et surtout, une recherche active en fonction de vos attentes précises. Le chercheur immobilier, comme son nom l'indique, opère dans un espace non restreint. Il est informé en temps réel des biens mis en vente sur le marché, voire même en amont, grâce à ses réseaux professionnels et personnels. Il est intermédiaire dans les transactions immobilières et est au service de l'acheteur. Il s'occupe des démarches de prospection, des visites, de faire la sélection des biens et bien sûr de la négociation des prix. Et ne vous fait déplacer qu'une fois tous les critères vérifiés et réunis. L'accompagnement du client se fait donc dès le départ avec le choix des critères jusqu'à la signature chez le notaire. Cette méthode fonctionne car elle nous permet la tenue d'un catalogue amplement fourni et varié. Notre seul but est de trouver le bien immobilier qui vous correspondra aujourd'hui et demain. RIS n'omet aucun de vos critères de sélection. Notre priorité, c'est votre satisfaction. Bienvenue. Intéressant. Je vous vois. Fossoyeur, oui. Thank you.
ERS, c'est Étudiants Relais Santé. Donc en fait, nous sommes des étudiants de l'Université de Montpellier, des différentes composantes de l'université. Pour tous les étudiants de l'Université de Montpellier, n'hésitez pas à contacter le service de médecine préventive. Vous pouvez prendre rendez-vous avec une infirmière ou un médecin pour une consultation de médecine préventive pour faire le point sur votre santé. Donc parmi les différents services proposés par la médecine préventive, il y a aussi donc l'aide au sevrage tabagique, avec donc un cabinet avec une tabacologue qui se situe donc au niveau de l'Institut de biologie, place Albert Ier. Sachez que le service de médecine préventive, c'est aussi un point écoute avec des infirmières qui seront toujours là pour échanger avec vous sur n'importe quelle thématique de santé, si vous avez des questions, des appréhensions, et qu'on délivre aussi la contraception d'urgence. Si certains se sentent seuls, se sentent isolés ou en difficulté ou en détresse face à leurs études et qu'ils ont besoin de quelqu'un pour parler, il faut savoir que vous avez deux psychologues disponibles au service de médecine préventive. Et surtout, ils sont accessibles sur plusieurs antennes de la composante de l'UM. Il y a une diététicienne, alors il faut savoir que vous pouvez, il faut prendre rendez-vous, il faut appeler pour prendre un rendez-vous. Et du coup, elle peut vous accompagner pour vous conseiller sur la gestion du budget ou encore comment gérer son temps. En fait, on n'a pas souvent le temps de se faire des repas, etc. Et n'oubliez pas, être bien dans sa peau, c'est un vrai atout pour réussir ses études. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Je m'appelle Laura Morazani, je travaille dans le service de l'université qui s'occupe des collections. Alors Judith Rothschild est une artiste qui est d'origine américaine et elle vit et travaille à Oakton. C'est une artiste qui est plutôt connue pour son travail de gravure, surtout pour une technique particulière qu'on appelle la manière noire, qui se fait en général sur plaques de cuivre, où en fait on va travailler une impression qui est noire à la base, et on va obtenir le relief et le dessin en travaillant le blanc. Pour les dessins, ici, elle a utilisé surtout des fusains pour réaliser des dessins pareils en noir et gris. Alors, l'exposition se base sur les dessins de Judith. Il faut savoir qu'elle vient pour une semaine chaque mois. Et en revanche, tous les jours, elle produit un à deux dessins. Elle espère en avoir 25 au mois de mai, qui est le mois où on va commencer l'exposition. Le propos de cette exposition, c'est non seulement d'exposer ses dessins, mais également de mettre en regard, si on le peut, les animaux qui ont servi à établir la thématique de chacun de ces sujets de dessin. Alors la collection de zoologie, elle comprend environ 300 spécimens. Vous avez à la fois les animaux naturalisés et ce qu'on appelle également les trophées, ce sont toutes ces cornes qui ont été ramenées en général d'Afrique. Donc c'est des animaux qui ont en général été récoltés durant le 19e siècle pendant les grands voyages naturalistes. Et puis il y a eu également des échanges entre les universités, des achats. Alors il y a deux animaux dont on connaît un petit peu l'histoire, notamment la lionne. Il est mentionné en fait sur son socle qu'elle arrive d'Alger. Elle a été récupérée dans les années 1830. Il y a eu beaucoup d'échanges dans les années 1830 entre la France et l'Algérie. Pas mal de révoltes à cette époque-là et pas mal d'échanges d'animaux. L'autre animal qui est assez marrant, c'est la girafe. Donc la girafe, on a un trophée qui est conservé dans ses réserves. Et ce trophée, on sait qu'il correspond exactement au squelette qui est présenté aux étudiants pour les cours d'ostéologie qui est présent sur le campus du Triolet. Alors moi, je connais un petit peu son travail de graveuse déjà, donc elle travaille souvent sur des natures mortes. Sauf que là, elle essaie plutôt de donner une attitude vivante en fait aux spécimens. Et ce qui est intéressant, c'est de pouvoir exposer ses dessins et par ce biais-là, pouvoir montrer cette collection qui en fait est rarement montrée au public.
et mettre l'objet et le dessin en parallèle. Appel à AGFOR et à son équipe jeune et pluridisciplinaire, c'est faire le choix d'une structure locale, indépendante et à taille humaine. C'est aussi faire le choix de la qualité avec la garantie d'un dossier mené d'un bout à l'autre par un interlocuteur unique. Nous sommes régulièrement amenés à informer des possibilités de construction attachées à un terrain, effectuer des démarches administratives, assurer la maîtrise d'œuvre des voiries et réseaux et assumer des missions d'assistance de maîtrise d'ouvrage.
mesurer la superficie d'un terrain ou d'une maison, gérer un patrimoine immobilier et enfin conseiller les élus locaux en matière d'aménagement et d'urbanisme. Chez AGFOR, nous investissons sans cesse dans les compétences de formation, les technologies et les méthodes innovantes pour garantir des prestations de haute qualité. Notre objectif, répondre à vos attentes. Nous sommes à votre écoute pour analyser votre problème et trouver avec vous le moyen d'y apporter la réponse la plus adéquate. Votre confiance mérite un suivi individualisé et une présence permanente jusqu'à l'achèvement complet des projets menés ensemble. Toutes les phases de travaux sont contrôlées et validées par un géomètre expert. Faire confiance à AGFOR, c'est assurer la pérennité de vos travaux et de vos projets. C'est la garantie d'un effectif et d'une proximité qui permettent d'intervenir avec réactivité. Nous sommes partenaires engagés et nous voulons nous inscrire dans la durée. Le métier de géomètre expert existe depuis plus de 4000 ans. De nos jours, en France, on compte environ 3000 géomètres. Mais à quoi sert-il donc vraiment ? Le géomètre expert est polyvalent. Il étudie, projette et dirige l'aménagement ou l'amélioration urbaine ou rurale. Il joue également un rôle capital dans la mise à jour et la conservation de données pour la délimitation de la propriété foncière. Mais représentons cela par des exemples bien concrets. En effet, ils aident à la création de plans pour la délimitation de parkings, de positionnement de camions ou d'éclairage. Mais continuons avec un autre exemple. Imaginons le cas de l'obtention d'une usine polluée. Le géomètre expert va permettre de déterminer la surface à traiter. Si je devais résumer le métier de géomètre expert, ce serait apporter des conseils, valoriser des démarches, et pour finir, garantir un projet. Voilà, j'espère vous avoir aidé à mieux comprendre le métier de géomètre expert. Si vous avez plus de questions, n'hésitez pas à nous contacter. Thank you.